L'excédent commercial chinois a gonflé à 51 milliards de dollars en janvier, 11 milliards de plus qu'en décembre. Après avoir plongé en 2016, les exportations ont rebondi de façon spectaculaire le mois dernier de 7,9% sur un an, plus que prévu, laissant suggérer une amélioration de la demande extérieure. Les importations se sont-elles envolées de 16,7%. Pour le vice-président de l'Université internationale de l'économie et des affaires, le commerce extérieur a bénéficié de mesures gouvernementales visant à doper les exportations, notamment de la simplification des démarches administratives et d'un meilleur remboursement des taxes à l'exportation. L'embellie des importations s'explique, elle, par le fait que les entreprises ont musclé leurs achats avant les congés du nouvel an lunaire, pendant lesquels la Chine est paralysée. Ils sont tombés fin janvier cette année, après être tombés en février l'an dernier.